Mon travail se développe principalement autour de la vidéo et du dessin comme médium, mais aussi d'autres formes comme la sculpture. Je m'intéresse beaucoup aussi aux objets. Et cette année à la Casa Velázquez, j'ai développé les collages. Mon travail est très habité par le monde contemporain. Et c'est vrai qu'il est aussi, il fait beaucoup appel à la mémoire, disons, historique. Mon projet pour la Casa de Velázquez est un projet vidéo. Je développe au même moment plusieurs projets, un projet sur les femmes minières et un projet qui est en train de prendre forme avec des femmes de chambre. Mais disons que le projet le plus développé pour l'instant, c'est un film autour des femmes minières qui va sûrement s'appeler Camera Obscura. Et il part à partir de mon intérêt de la représentation des femmes minières qui est un univers visuellement moins présent. Et je travaille d'une partie, je me suis intéressée aux images d'archives. Et c'est à partir de ces images d'archives que j'ai développé un travail de collage. Et d'une autre partie, j'étais intéressée d'aller filmer les dernières images de femmes minières parce qu'il y a une mine en charbon en Espagne qui va bientôt fermer. Et j'ai pu capter ces dernières images de deux femmes qui travaillent encore à l'embarcadère. Et à partir de là, je vais aller récolter des témoignages de femmes qui ont eu cette expérience. Et mon travail se concentre principalement sur le témoignage. Je travaille de manière très spontanée avec des petits matériaux. Je vais souvent seule filmer. Et j'essaie de laisser le temps que la parole advienne. Je viens souvent avec des questions, mais je suis souvent surprise parce que les gens m'apprennent des choses et amènent des histoires auxquelles je n'attendais pas. Et au moment de la construction de mes films, souvent je travaille par couches et par fragments dans une histoire de montage et de résonance. Mais il ne s'agit pas malgré que c'est des fragments, d'aller, censurer la parole, sinon d'aller trouver dans ces témoignages les choses qui ont surgi et qui étaient très importantes, souvent des choses qu'on essaye à terre, et de les faire advenir dans les montages. Après, dans la question de comment je pense ces vidéos et démonstrations, en général, j'ai plutôt travaillé dans des films, plutôt dans, disons, linéaires. La línea no querían estar los hombres, porque era, no era por el trabajo, porque ellos trabajarían más en la mina que nosotras a lo mejor. Pero lo que pasa era porque pasaban frío y tenían que estar muchas horas y no les gustaba. J'essaye de plus en plus de penser, l'installation, mais ces questions pour moi adviennent au moment où j'ai des possibilités de démonstration qui me permettent de penser l'espace, les écrans. Et pour ce projet, je suis en train de travailler plutôt dans une idée de vidéo. Mais je pense qu'il y aura aussi un projet de film qui va exister, donc deux versions de ce projet.